école était, est réellement un projet de coopération qu'a initié l'Institut français en coopération et en partenariat avec l'AMEF, l'Association marocaine des enseignants de français. Et c'est pour moi vraiment un projet culturel dans son ensemble, parce qu'en fait, il rassemble tous les arts, la peinture, la musique, l'écriture, mais en même temps, il donne une belle expérience au niveau ludique, créatif. Et c'est un projet qui, de ce fait, permet aux enfants de découvrir, de s'initier, si je peux employer ce terme bien sûr, à une culture. Ce projet est monté en collaboration bien sûr avec l'AREF et avec la délégation, quelle que soit bien sûr la région dans laquelle nous nous déplaçons. Cette année, de nouveau encore, une douzaine d'animateurs nous accompagnent. Donc il y a les animateurs de notre Institut français, mais également le collectif Zouir qui est associé et qui anime durant 4 jours dans 8 établissements différents, différentes activités manuelles, comme je vous le disais tout à l'heure, artistiques. Voilà, donc c'est un projet que nous continuerons à appuyer parce que je pense que c'est vraiment une des missions de l'Institut français. Et je crois qu'à l'issue de ces formations, à l'issue de ces journées d'échange, les enfants ont, lorsqu'ils rentrent à la maison le soir, des choses à raconter à leurs parents. Ils échangent avec leurs enseignants différemment. Et c'est aussi pour nous peut-être aussi l'occasion de rencontrer des enseignants justement qui parfois sont isolés dans ces milieux ruraux et qui ont la particularité, si vous voulez, de pouvoir nous rejoindre, de venir à l'Institut français d'Oujda. Nous les convions bien sûr à venir à la médiathèque, à assister à nos spectacles. C'est aussi les perspectives de notre mission lorsque nous déplaçons dans cette traversée des écoles. Moi, je représente le comité provincial de l'AMEF, de l'Association marocaine des enseignants de français. Et donc, j'aimerais continuer sur ce que Madame Beauvais a dit à propos de la traversée des écoles. Je suis vraiment très content que cette traversée plaise à tous les partenaires, à toutes les personnes qui se rendent compte justement et qui connaissent cette activité. Cette activité, elle a grandi petit à petit. Elle a vécu dans l'improvisation au début, dans toute petite, et puis elle a progressé petit à petit jusqu'à ce qu'elle devienne, cette année en particulier, une véritable activité éducative et culturelle. Cette traversée des écoles, elle consiste en des ateliers que nous faisons avec les élèves du primaire, donc du CP jusqu'à la 6e année. Alors il y a des ateliers, peinture, ateliers musique, chansons, documentation, recherche documentaire, ateliers environnement avec donc avec du nettoyage dans les écoles, planter des arbres, planter des fleurs, voilà, essayer de passer une journée en bonne humeur, dans la bonne humeur, dans la joie avec ces élèves qui ont besoin de nous et qu'on est toujours très très heureux de retrouver chaque année à cette période de l'année à peu près. تراسي ديز ايكول واحد المبادره زوينه كتقوم بها الانستيتو فرونسي حيت انها كتزور بزاف تاع المدارس اللي في لا ريجيون واللي هما بعاد بزاف وعندهم امكانيات محدوده دونك كدير لهم ديزاتولي في الديسان في لا ميوزيك في الدوكيومونطاسيون وانا كمومبر في كوليكتيف زوري كنت شاد لاتولي تاع لا ميوزيك الدراري الصغار وكنا كنشرحوا لهم الموسيقى وكنحاولوا نبسطوها لهم باش يفهموها ونعطيوهم ديك الانرجي باش تقدرش تعرف يقدر يخرج شي موسيقي في وسطهم ولا
وداك الشيء صراحه كانت اكسبيريونس زوينه بزاف وداك الشيء فرحنا حيت شفناهم فرحانين ونتمنوا هذا ليفينمون تكون بور توجو. سي سارة العويني، عندي هذا العام مشاركة ثانية في ترافيرسي دي زيكول اللي كديرها لانسيتي فرونسي. بصفتي رسامة ولا فنانة تشكيلية، حاولت نبارطاجي داك الشيء اللي عندي مع لي زونفون، نخرجوا شوية على الروتينية والكلاسيكية نتاع القراية ديالهم. عشنا جو زوين، عشت معاهم أربع أيام عامرة بلي كولوغ الفرحة، وشفنا الضحكة نتاعهم وهذا هو المهم. On est à la dernière phase de la traversée, presque les deux écoles qui nous restent. On a commencé depuis lundi et il y a plusieurs animations que nous faisons. En ce qui me concerne, moi je fais une animation sur la recherche documentaire. On peut dire un atelier qui tourne autour du livre et de la lecture.